Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Alors au moment où je tourne la vidéo les gars, il est à peu près 6h40 du matin, donc je tiens à m'excuser si jamais je bafouille un petit peu, si jamais la voix n'est pas complètement nette, tout ça. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, je me suis douché et je vous tourne la vidéo directement sur les nouveaux personnages qui viennent sortir dans Dragon Ball Legends. On va aller voir est-ce que ça vaut le coup d'invoquer sur ces fameux nouveaux personnages, à savoir le nouveau Vegeta LF et son portail Step Up et le nouveau EX qui va avec lui, c'est-à-dire Yajirobe EX. Comme pour la dernière vidéo analyse, je vous aurais mis les gameplays également en introduction de vidéo parce que bah, c'est aussi un truc important, hein, le gameplay, la voix du personnage, etc. Ça peut vous donner envie. Donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire, est-ce que vous comptez invoquer ou non. Donc directement Legend Space pour voir un petit peu la tête du portail déjà. Donc le portail bien sûr c'est un portail step up, donc bien entendu on aura la fameuse monnaie qui nous permet d'avoir la pitié et autres récompenses en échange de la monnaie, donc des pièces là. Donc il y a le fameux Vegeta LF Ozaru, on a le retour de Broly LF, donc ça c'est plutôt cool, Broly LF hein, sur le portail on aime bien. On a Migatte LF également qui est sur le portail, donc ça c'est bien aussi, en vrai Migatte ça reste un très bon perso hein, les gars, contrairement à ce que certains pourraient penser. On a Freezer LF qui vient d'obtenir son Zenkai, donc c'est également un bon perso. En plus de ça, on peut avoir le combo armée de Freezer entre le Vegeta et le Freezer. Et on a bien sûr Black Goku Rosé LF qui fait son grand retour. Enfin, ça y est, Black Goku Rosé LF est de retour sur un portail. Donc moi, personnellement, j'espère que je vais l'avoir. Black Goku Rosé LF, les gars, c'est un excellent perso. Ce qui me saute aux yeux aussi, là, c'est qu'on a un truc à faire au niveau de la team ennemi puissant. Avec ça, donc franchement le portail il est plutôt sexy au niveau des LF, hein, clairement. Donc au niveau de, des cycles c'est classique, ça ne change pas. Et au niveau des sparkings on a le retour de Bojack comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a également Piccolo et Goten LF en LF dans le portail. On a les deux Shenron, Bojack, on a Goku Revive, on a C-17, Daimao et après bref il y en a plein d'autres en fait, hein, des LF, des sparkings pardon comme d'habitude vous le savez. Sur les step-up contrairement au All-Star, le nouveau EX c'est Yajirobe EX, c'est assez rigolo d'avoir un Yajirobe EX sur le jeu je trouve honnêtement. Et on est parti pour l'analyse des personnages, on va commencer avec Vegeta les gars, donc Vegeta qu'on va considérer à 2 étoiles seulement, allez on va le mettre à 3 étoiles, c'est un LF. Donc pour commencer il est de type rouge Vegeta, alors est-ce que rouge c'est un bon type? Alors on va faire pour chaque tag. Pour armée de Freezer, est-ce que rouge c'est un bon type à moins que tu souhaites jouer en double rouge? C'est un peu chiant parce que du coup ça veut dire que tu joues pas Robéry. Robéry qui est le meilleur des sbires, donc c'est un peu relou qu'il soit rouge pour armée de Freezer, mais tu pourrais jouer double rouge pourquoi pas. Pour Saiyan, ça me semble être une très bonne option, le fait qu'il soit rouge. Parce que même s'il y a Goku Ultra, Goku Kakarot qui sont deux bons personnages, je pense qu'on peut avoir mieux que ces deux personnages-là en Team Saiyan. Ennemi puissant, le fait qu'il soit rouge en ennemi puissant, par contre, j'ai du mal avec le fait qu'il soit rouge en ennemi puissant parce que on a déjà Bojack, on a déjà Gata Izamasu, on a déjà donc deux très bons personnages en ennemi puissant, surtout Bojack en fait, donc là aussi c'est pareil. Est-ce qu'on joue double rouge en ennemi puissant si on choisit de jouer Vegeta ? A voir. Il est de type Strike, ce qui est intéressant c'est qu'il est Saga Z Saiyan aussi, en Saga Z Saiyan le fait qu'il soit rouge c'est une très bonne nouvelle, parce que oui, Goku Kakarot ok il est rouge, mais Goku Kakarot il a pas les caps Z Saga Z Saiyan, donc bon c'est bien marrant qu'il soit rouge, mais bon vous l'avez vu dans ma vidéo, c'est pas ouf en attendant. Au niveau des stats du personnage, à 3 étoiles, il a plus de 2 millions de force, donc ça déjà c'est une bonne chose hein. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous montez le LF à 6 étoiles, ici donc 6 étoiles, vous avez 2 millions, quasiment 2 millions 2, 2 millions 1,5 de force avec des caps Z force, ça peut vite être très intéressant. Au niveau de l'attaque strike, 205 000, donc très bonne valeur d'attaque strike, 132 000 de défense strike, c'est ok, 190 000 d'attaque blast, c'est un petit peu bas, et 131 000 de défense blast, c'est ok. On ne parlera pas des autres valeurs spécialement ici qui ne nous intéressent pas des masses avec le Vegeta. On va commencer par le main, hein. Du coup je rappelle c'est pas la même classification sur Legend Space. Donc le main, je découvre hein, les gars, je connaissais pas encore au moment où je vous le dis. Le main va nous détruire une carte au hasard pour nous permettre d'avoir l'ulti directement dans la main. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. On va gagner 15% de soins et 42 ki. Donc ça c'est même très sympa parce que ça permet de jouer une strike et l'ulti et de se soigner. On a plus 60% de dégâts d'ulti pendant 20 secondes, donc ça c'est très bien. Et plus 20% de dégâts d'ulti infligés contre les tags Saiyan ou les tags famille de Goku. Ça c'est très fort hein. Ça c'est très fort parce que ça fait quand même une sacrée augmentation en tout. J'aime bien son main, il est vraiment bien. En fait ce qui est... moi personnellement je préfère quand ça détruit une carte de la main plutôt que ça la mette en 5ème. Parce que des fois du coup bah tu peux pas jouer l'ulti, ça peut être un peu relou. Maintenant ce qu'on va se poser comme question c'est Et il faudra aller voir, bon, on va aller voir tout de suite d'ailleurs l'ulti, qu'est-ce qu'il fait en fait. Qu'est-ce que fait l'ulti, parce que là, bah, il n'y a pas d'anti-survie au chaos sur le main, il n'y a pas d'anti-mise à cover, donc il fallait le voir s'il les a sur les passifs ou sur l'ulti. Donc on va aller directement voir son ultime pour avoir la réponse. L'ulti fait des dégâts colossaux. Il applique les effets suivants à soi-même lors de l'activation. Donc moins 100% de réduction sur l'adversaire, donc 100% de percée. Et on annule la survie au chaos. Ok. Et en plus de ça, il y a une armure blast. Donc voilà, le personnage annule la survie au chaos. Bon, ça m'aurait étonné qu'il ne le fasse pas quand même, hein. Maintenant, les personnages le font généralement. Pareil pour l'armure blast, normalement les persos l'ont maintenant. Donc, un très bon main. Un très bon main. Passif numéro 1. Plus 40% de dégâts infligés contre les personnages bleus. Ou alors ça c'est... Ah oui, c'est par rapport au truc du contre-type. Franchement les gars, le Goku Kaioken, je pense qu'il va avoir un Zenkai, hein. Le Goku Kaioken bleu, je pense qu'il va avoir un Zenkai. Quand tu vois là ce qu'ils te mettent comme passif sur le perso, c'est quand même assez rigolo. Le fait qu'il soit rouge aussi. Donc ouais, il a plus 40% de dégâts infligés contre les personnages bleus. Alors c'est très fort, mais je crois que c'est pas aussi fort que l'annulation contre-type. Parce que je crois que l'annulation en fait ça revient à mettre plus 50%. Donc ça serait un petit peu en dessous de ça, mais bon. Globalement, c'est vrai que c'est très fort quand même, hein, parce que du coup, vous tapez sans réel contre-type, vous faites jamais, quasiment, donc c'est vrai que c'est quand même super fort ça, hein. Plus 25% de dégâts infligés contre les personnages Goku, alors sachant que c'est indispellable pour les deux, donc ça aussi c'est pareil, c'est très fort, et on réduit les dégâts reçus des personnages famille de Goku de 15%. C'est le début de passif numéro 1, c'est costaud, hein. 40% de dégâts contre tous les bleus du jeu, déjà c'est sympa, 25% de dégâts infligés contre les Goku, c'est sympa aussi, hein, parce que mine de rien, des Goku il y en a, et des Goku bleus aussi, hein, il n'y en a pas qu'un peu même des Goku bleus, donc ça voudrait dire que face aux Goku bleus, t'as quand même une très belle augmentation déjà, sachant que c'est tous les dégâts, hein, donc c'est vraiment fort, c'est aussi l'ulti par exemple, hein, l'ulti qui a énormément d'augmentation, donc c'est vrai que c'est très fort, et une réduction face aux familles de Goku, ok. Les effets suivants s'activent à soi-même depuis le début du combat. Plus 80% de dégâts infligés, ça peut pas être dispel, c'est très bien. 35% de réduction de dégâts, ça peut pas être dispel, c'est très bien. Plus 20% de dégâts infligés lorsque ce personnage est mis en stand-by, donc lorsqu'il est switch out, jusqu'à un maximum de 60%. Et ça peut pas être dispel, mais il va être trop fort le perso, what the fuck. Là pour moi, là vous savez, je vois quoi, je pense directement à toutes les micros augmentations de Colifla Cave Duo. Vous voyez, Colifla Cave Duo qui avait beaucoup d'augmentation, ça montait très vite dans tous les sens, etc. Bah là, je vois la même chose en fait. 80% dès le début du combat, donc dès le début du combat, on est en place. On a plus 60% à les récupérer avec les switch out, plus 25% en anti-tag Goku, enfin en anti-perso Goku, et plus 40% en anti-bleu. Là, des augmentations sur l'ulti, il reste le passif numéro 2. Donc là, déjà, je me dis, oula, réduit le ki de l'ennemi de 20 à chaque fois que l'adversaire va esquiver une attaque. Et on se soigne de 5%. Après chaque combo ennemi, et ça s'active 4 fois. Donc ce passif numéro 1, il est excellent. Ce passif numéro 1, il est tout simplement excellent, les gars du Vegeta. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Il est absolument incroyable. Ce passif numéro 1 du Vegeta, très 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 fort. Passif numéro 2. Réduit les dégâts reçus de 30% pendant 3 secondes lorsque l'ennemi utilise une spé, un éveil ou un art d'ultime. Alors vous savez ce qui est vraiment fort, c'est que du coup vous faites rentrer Vegeta sur les ultis, vous avez 30% de réduction ici, direct, 15% de réduction éventuellement si c'est un famille de Goku supplémentaire, et mine de rien, ça peut vous faire tanker des ultis, des arts d'éveil, par exemple l'art d'éveil de Bojack, hein, qui met très souvent un HP, ici on pourrait se dire qu'on pourrait quand même garder une bonne, un bon 200 000 points de vie, peut-être quelque chose comme ça, donc ça peut être très sympa. Applique les effets suivants à soi-même à chaque fois qu'on va lancer une strike ou une blast. On va gagner 5 de ki. Alors ça c'est super fort. Gagner 5 de ki à chaque attaque lancée, c'est super fort. Alors attends. Parce qu'on va piocher une strike. Alors ça s'active qu'une fois. Ça s'active qu'une fois pendant tout le combat ou ça s'active qu'une fois à chaque entrée en scène en fait. Logiquement, ça devrait être que une fois, on va voir si, les effets sont reset. Bon, ça, c'est très fort, ça, là. Ça, là, c'est très fort. Ça, c'est fort, mais ça, là, c'est très, très fort. Active... ouais, ben voilà. Activation contre reset. Oh là là, c'est tellement fort. C'est-à-dire, le perso, en fait, à chaque fois qu'il va lancer une strike ou une blast, la première fois qu'il sera rentré en scène, il va repiocher une strike. C'est méga fort. C'est méga, méga, méga fort, ça, comme mécanique. J'aime beaucoup. Plus 15% de dégâts des spé. Pendant 20 secondes, donc j'imagine que c'est à chaque entrée en scène, mais ça ne se reset pas pour le coup. C'est assez... Bah non, c'est normal en fait. C'est normal, c'est complètement normal. Donc ouais, vous avez plus 15% de dégâts d'SP pendant 20 secondes. À chaque fois, vous faites une strike ou une blast, ok. Il a une survie au KO, ok, il a une survie au KO en plus, plus 20%, ouais ça c'est très 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 fort par contre. Ah ouais, le fait qu'il ait une survie au KO, ça change énormément de choses par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Parce que par exemple, je disais que par rapport à Robéry c'était chiant, mais en fait le perso il a lui-même une survie au KO, donc ça c'est très fort pour le coup. Il a une survie au KO et en plus d'avoir une survie au KO, pas oublier qu'il a quand même de la réduction aussi, hein, gauche à droite le perso, hein. Il a 35% de réduction, 15% ici c'est famille de Goku, 30% supplémentaire ici. Donc c'est vrai qu'il va quand même bien tanker je pense, en tout cas sur les ultis, les spé etc. Il devrait bien tanker hein, parce que les 30% plus les 35 natifs, plus les 15 si c'est du famille de Goku. Ça me semble très 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 fort les gars tout ça, hein. Ça me semble très fort. Alors il a moins 5 de coups d'SP à chaque strike lancé, ok. La spéciale justement on y vient, elle fait des dégâts colossaux, plus 15% de dégâts des techniques SP lorsqu'on active. Donc ça c'est bien, on a un bonus supplémentaire sur les SP. Et en plus de ça, on va réduire notre temps d'attente de 5 si on touche avec l'aspect. Alors faut toucher avec l'aspect, mais si on touche avec l'aspect on réduit le temps d'attente de 5. C'est... c'est monstrueux ça. Ça c'est monstrueux. Pourquoi c'est monstrueux? Parce que le personnage il a des bonus sur, lorsqu'il rentre, il va pouvoir piocher une strike etc. Il a des bonus sur ça aussi. Si vous pouvez faire revenir votre personnage plus vite en scène, eh bien vous pouvez le refaire sortir plus vite aussi. Donc c'est super intéressant et vous allez pouvoir pallier plus vite, vous adapter plus vite pour venir tanker une spé, un ulti etc. C'est monstrueux. C'est monstrueux ça sur le Vegeta je trouve. Avec Freezer LF ça va être super fort hein. Avec Freezer LF ça va être super fort ça. Ça va être monstrueux avec Freezer LF. Ok, carte verte open safe. Les effets suivants s'activent lors de l'activation de la carte verte. Donc plus 42 ki, plus 50% de vitesse de récupération de ki. Donc ça c'est très fort déjà. Les effets suivants s'activent si on touche avec la carte verte. On pioche une spé, ok. Plus 20% de tous les dégâts infligés pendant 20 secondes. Et on annule les covers spéciales de l'adversaire. Oh là là, mais... Alors c'est que pendant 5 secondes l'annulation des covers spéciales, mais même, c'est combattable avec absolument tout. Mais c'est méga fort. C'est méga fort encore ça, 42 ki, sachant que je rappelle, hein, les SP vont coûter moins cher avec les strikes après. Et on annule les covers spéciales. Mais Vegeta Freezer LF, ça va être full craqué. Hein. Vegeta Freezer LF, ça va être full craqué pour moi. J'aime beaucoup ce que je vois du perso là les gars, honnêtement. Hein. J'aime énormément ce que je suis en train de voir du perso. Alors, on a des dégâts colossaux sur l'ulti. Enfin, l'ulti, j'en ai déjà parlé de façon globalement. Je vais pas revenir, mais annulation de la survie au KO, il fait tout le perso. Il a juste pas de vitesse de pioche en fait. Il a juste pas de vitesse de pioche, mais à chaque entrée en scène, il va pouvoir générer une strike. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de strike, il ramène une dans le deck qui augmente de 20% les dégâts strike pendant 2 secondes. C'est plutôt sympa. Maintenant, reste à voir la cap Z. Sur du 3 étoiles, on est sur du 26% pour les Saiyans et épisode saga Z Saiyan d'attaque strike et d'attaque blast, ok, c'est très fort. Et à 6 étoiles, on est sur du 30% pour les Saiyans, les épisodes Z Saiyan, pardon, et les ennemis puissants aussi, pareil, ok. Donc ouais, ce Vegeta, bah, je le trouve hyper fort. Je trouve hyper fort les gars, tout simplement. Je trouve hyper fort. Voilà. Donc si vous voulez mon avis sur le Vegeta, il est complètement craqué. Je pense qu'il est complètement craqué et avec certains alliés, ça va donner des trucs de ouf. Honnêtement, avec certains alliés, les gars, ça va sincèrement... donner des trucs de fou malade. Donc ouais, hyper validé pour moi le Vegeta. On va passer au Yajirobe maintenant, mais je suis limite choqué là du Vegeta, comment je le trouve fort. Le Yajirobe maintenant, alors le Yajirobe les gars, je l'ai pris 6 étoiles, hein, ça y est, que si vous le droppez une fois, il faudra lui mettre DPZ pour le monter, de toute façon ça c'est clair et net. Donc il a plus de 2 millions, putain c'est beaucoup quand même. Il a 2 millions 15 de points de vie, ok, sachant que c'est un extrême, donc il a l'équipement des extrêmes qui va lui augmenter la force, donc ça c'est plutôt bien déjà pour commencer. Il est violet d'ailleurs, à noter, il est violet, et puis forcément il est Saga Z Saiyan et Super Guerrier. 206 000 d'attaque strike, donc visiblement c'est un personnage strike, ouais, c'est un perso strike, donc il a une très mauvaise valeur d'attaque blast, mais une assez bonne valeur d'attaque strike pour un extrême. Double 136 000 en défense, ce qui est plutôt pas mal. Le main... on va mettre plus 30% de dégâts reçus sur tous les adversaires pendant 90 secondes. Pardon. Mais c'est super fort. Plus ça, enfin, moins 50% de régène de force pendant 90 secondes, c'est super fort aussi. Et plus 15 du coup des cartes... Mais il est méga fort son main. Il s'active au bout de 10 secondes, les gars, son main, et il est mais méga fort. Plus 15 du coup d'SP, moins 50% de régène. Et plus 30% de dégâts reçus pendant 90 secondes. Mais son main, il est super fort. Son main, il est super fort, Yajirobe. Ok. Passif numéro 1. Plus 40% de dégâts strike contre les Saiyans. Plus 80% de tous les dégâts infligés lorsque le combat commence. Ok, bon bah c'est plutôt costaud ça déjà, hein, couplé au main surtout, là on a quand même déjà de quoi faire des dégâts. Les effets suivants s'activent si les points de vie de l'adversaire sont à 50% ou moins lorsque on rentre en scène. On va piocher une spé, on va gagner 50 de ki, donc on va avoir de quoi jouer l'aspect qu'on va jouer. C'est que si l'adversaire a moins de 50% de points de vie hein, que ça s'active. On a plus 100% de dégâts d'espé. Et en plus, on lock. Oh là 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 là, mais comment c'est fort! Comment c'est fort! Mais c'est super fort! C'est super fort ça les gars comme mécanique. En fait vous savez on a une mécanique un peu similaire chez Gokua. Gokua il va locker l'adversaire. Si c'est un métis Saiyan et lui mettre une spé avec une giga augmentation dans la gueule grâce au main. Et bien ici c'est un peu la même chose avec Yajirobe. On va locker l'adversaire s'il a moins de 50% de points de vie. Et en plus de ça, alors faut savoir une chose, c'est que ça marche que lorsqu'on rentre en scène hein. Donc ça marchera pas si l'adversaire passe à 50% de points de vie lorsqu'on est déjà en scène. Parce que ça marche lorsqu'on rentre en scène. Donc ça c'est méga fort. Et vous piochez l'aspect, vous avez de quoi jouer l'aspect avec plus 100% de dégâts. Sachant que le perso de base il a 80%, si vous êtes face à Saiyan il a plus 40%. Et que dans tous les cas vous allez avoir le malus qui sera activé sur l'adversaire. Donc l'adversaire sera malusé s'il est malusable de 30%. C'est méga fort, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé sur Yajirobe là, il est OP le perso là déjà de ce que j'en lis là, ça me semble méga fort. Ok, passif numéro 2, Speedy Escape. Donc on va pouvoir cover le personnage avec 2 secondes plus rapidement à chaque fois. Donc ça c'est très sympa, c'est RP en plus avec le perso. Les effets suivants s'activent lorsque ce personnage rentre en scène. On réduit le temps d'attente des alliés de 1 seconde, ça s'active 3 fois, c'est très fort. On réduit les dégâts de 30% pendant 10 secondes. Et on augmente notre vitesse de régénération d'esquive de 60% après une esquive de l'adversaire. Et ça s'active 3 fois. Moi, il m'a l'air craqué. Hein. Moi, Yajirobe, les gars, il m'a l'air craqué. Honnêtement, en fait, il m'a l'air trop fort parce que ça va nous permettre de prendre des kills de temps en temps. Ça, là, vraiment super fort. Il a une bonne augmentation de dégâts. Son main, il est super fort. Et même son passif 2, il est bien en fait. Parce que son passif 2, ça va être le truc où le perso va être relou à attraper. Il réduit le temps d'attente des alliés. Et à côté de ça, en plus de ça, il va lui-même pouvoir revenir plus vite. Donc c'est méga fort avec Vegeta notamment. Pareil, c'est Yajirobe. Je pense qu'il peut être potentiellement fort avec Freezer en vrai. Hein. Je pense qu'il peut être potentiellement fort avec Freezer. Ça peut être rigolo de jouer une team Freezer, Vegeta et Yajirobe. Alors ça n'a pas trop de sens au niveau de la capsule, mais ça peut être rigolo. Oh, en plus de ça, il a la strike qui met la saignée. Donc c'est la super saignée, c'est pas l'extrême saignée mais même c'est plutôt sympa. L'attaque blast c'est classique. Oh, oh l'aspect les gars, l'aspect elle a plus 80% de chance de taux de coup critique hein. Donc si vous avez pas vu ce que ça veut dire dans ma vidéo allez checker. Mais du coup l'aspect va crit. Et la carte verte, soigne les alliés de 10%, ça s'active 3 fois, on gagne 20 kills, plus 25% de dégâts strike. Et ce qui est extrêmement fort avec Yajirobe, bon je m'étais fait spoiler dans mon Discord de guild, mais le personnage ramène une carte verte dans le deck. Imaginez avec le Vegeta qui a l'open safe, imaginez avec le Freezer, pareil, hein, ça pourrait être intéressant. Bon même si avec Freezer, je vois pas trop quel team on va pouvoir jouer au niveau des Cap Z, mais avec Vegeta, imaginez ce que ça peut donner, imaginez ce que ça peut donner avec Goku Kaioken s'il obtient un Zenkai. Je suis fan, même avec Piccolo. Piccolo LF, ça peut être bien aussi d'ailleurs hein, pour les spé. Donc ouais non, je suis hyper fan. Je suis hyper fan de Yajirobe, mais il est trop fort. Il est trop fort les gars, honnêtement Yajirobe. J'aime beaucoup, alors la Cap Z, on va aller voir ce... Non. Non, en plus de ça, c'est une Cap Z force pour la saga Z Saiyan. C'est une Cap Z force pour la saga Z Saiyan. Trop fort. Trop fort. Et en plus de ça, on a une Cap Z supplémentaire si on l'a 6 étoiles de basse coup critique pour les sagas Z Saiyan. Ok, plus 20%, bon ça vous c'est pareil, hein, allez voir ma vidéo pour voir ce que ça veut dire vraiment. Mais ouais, non mais il est trop fort. Il est trop fort le Yajirobe, je suis un ouf là, ouais, ils ont complètement craqué. Les nouveaux extrêmes ils sont complètement OP à chaque fois. Mais là Yajirobe c'est encore autre chose. C'est pas qu'il est aussi fort que Jiren dans le sens où Jiren va faire très mal etc tu vois. Mais là c'est juste que bah, le perso ramène une carte verte, il a un très bon main. Enfin c'est un allié de ouf pour l'équipe en fait. C'est un allié de ouf pour l'équipe. Donc est-ce qu'il faut invoquer sur le portail? Honnêtement, si vous kiffez Vegeta, oui, il faut invoquer sur le portail parce que Vegeta est beaucoup trop fort. Ça c'est clair et net. Si vous voulez jouer Saga Z Saiyan, le portail il est inévitable. Déjà là je vous le dis hein, clairement, si vous voulez jouer Saga Z Saiyan, le portail est inévitable. Est-ce que Saga Z Saiyan ça va être fort? Avec genre par exemple Yajirobe, Vegeta, Piccolo, ça devrait commencer à être pas trop mal hein. Pareil Yajirobe, Vegeta... Le Goku aussi la bleue, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pas oublier qu'il y a aussi le Vegeta Zenkai hein, les gars en saga Z Saiyan aussi. Donc ouais non honnêtement le portail il est pas dégueulasse du tout hein, parce qu'en plus de ça il y a des bons élèves qui font leur retour. Maintenant si vous voulez ni jouer, alors Si Vegeta vous intéresse pas, parce que vous voulez pas jouer par exemple Saiyan, vous voulez pas jouer en ennemi puissant, vous avez pas besoin de lui parce que vous avez déjà un rouge, vous voulez pas jouer Saga Z Saiyan non plus, Armée de Freezer vous avez déjà Robberry, dans ce cas là ouais c'est plutôt un skip qui se prononce. Mais moi je trouve le portail super intéressant et je trouve les deux nouveaux personnages incroyables honnêtement. Donc voici pour la vidéo analyse, j'espère que celle-ci vous aura plu les gars. De toute façon il y a la vidéo invocation qui va sortir très vite dans la foulée sur la chaîne YouTube. Donc enfin très vite dans la foulée non, parce qu'elle sortira très certainement aux alentours des midi la vidéo invocation. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir aussi la vidéo invocation aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que ces petites vidéos analyses vous plaisent et vous aident à vous faire un ordre d'idée sur les personnages. Et moi sur ce je vous dis à très vite les gars pour une nouvelle vidéo dans la journée sur DB Legends. Ciao ciao.